ça. Merci, Michel. Je t'ai dit qu'à force d'avoir mal au cœur, je finis par plus avoir le goût de manger. Ah, ça serait peut-être pas bien bon pour toi puis pour le bébé de manger 3 gros repas par jour. Oui, que j'ai hâte de me sentir mieux. À part ça, je passe quasiment mes nuits éveillées. C'est pas normal, ça, d'arrêter de dormir parce qu'on tombe enceinte puis d'avoir toujours mal au cœur demain. Ben, tes nuits éveillées, il y a un peu d'exagération. Hein? Tu dors peut-être un peu moins bien qu'avant, mais ça va passer, ça. On dirait que tu me crois pas. Tu comprends pas que j'ai peur de perdre notre bébé. C'est des choses qui arrivent, ça. Ma grand-mère a eu 6 fausses couches. 6, te rends-tu compte? Alors moi, j'aime mieux prévoir que de m'en vouloir après. Hey, je veux pas que tu parles comme ça, Annie. Qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là? Toi, t'es jamais inquiet pour notre bébé. Tu tiens pas autant que moi. Annick... Tu dis des bêtises, hein? Est-ce que tu penses que je l'attends pas, moi aussi, ce petit-là? Ah, peut-être pas de la même façon que toi, hein? Bien sûr, je peux pas tout comprendre, puis pour bien dire, tout sentir. Regarde, est-ce que j'ai pas l'air aussi heureux que toi, hein? Je prépare sa chambre... J'organise la maison pour quand il va être avec nous autres. Pour lui, je fais mon premier petit berre sculpté. J'imagine déjà sa petite face là, quand il va être avec couché dedans. Ah, tu comprends, Nick. Pour le reste, là, je peux pas faire plus. Il est quand même pas dans mon ventre, ce petit-là. C'est vrai que tu peux pas tout savoir. Excuse-moi. Ah, je voudrais tellement que tout aille bien pendant ces mois-là que... Tu te sens en sécurité. Je fais mon possible. Je le sais, je le sais. Je te reproche rien. Je suis juste nerveuse, inquiète. À part ça, on n'a pas à avoir peur, hein? On voit le médecin régulièrement, on se fie sur lui. On dirait toujours que ce que je sens, ça ne l'intéresse pas. Puis il me semble qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Ben, justement, tu as rendez-vous après-midi chez le docteur. Tu vas pouvoir lui parler tant que tu veux. Tu avais dit que tu viendrais avec moi? Ah oui, oui, j'y vais. Tiens, mais d'ici là, tu devrais prendre une feuille de papier puis écrire tout ce qui va pas à ton goût. Hein? Oublie rien, compte lui tous tes bobos, docteur Lemay, puis c'est lui qui va nous dire s'il y a de quoi s'inquiéter. Je vais faire comme tu dis. En attendant, mange donc un peu. Michel, tu m'aimes pareil. Tu me trouves pas trop achalante quand je m'énerve comme ça? Annick, ma petite femme d'amour. Je suis bête de pas toujours être gentille avec toi. Marie comme toi, ça court pas les rues. Je t'aime. C'est pour ça que le petit enfant qu'on fait ensemble, je veux pas qu'il risque la moindre chose. Je veux qu'il arrive en bonne santé. Faut pas que je le perde, comme grand-maman Rosabelle avec ses enfants. Écoute, Annick, ça fait déjà 2-3 semaines que tu t'énerves comme ça. Tu te figures des choses. Je me figure pas. Ah, mais j'en parle pas, mais j'ai bien hâte, moi aussi, de voir le docteur. Promets-moi que tu vas rien lui cacher. Hein? Mm. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ah, hein? Pas mal de bourse, ma femme? Oh, je te le dis, hein? On fournit pas depuis le début du printemps. Mais disons, revenir à ton projet de portier, là. Tu sais que tu vas le prendre? Mais où est-ce qu'on va le mettre? Ça prend de la place, ça, une pâtisserie? Bien, justement, on n'aurait pas de pâtissier ici. Je me fournirai à Joliette. Ah. J'irai chercher les gâteaux tout frais le vendredi puis le samedi. Hey, bien mieux de même. Ah, je te le garantis, hein, sont vraiment bons, ces gâteaux-là. Puis on prendrait des commandes pour les gâteaux de fête, les gâteaux d'anniversaire. Tu as dit que t'as vraiment songé à tout, toi, hein? On peut dire que tu mènes ton affaire brillamment. Je te félicite pour ça, bien. Tu sais, si j'ai voulu que tu vois ça, là, c'est pas pour me faire valoir moi. C'est pour te rassurer tout à fait pour l'argent qu'on a perdu ensemble. Là, j'ai payé tous les comptes en retard. Puis, on est au-dessus de nos affaires. On a recommencé à faire des bénéfices. Fait que, faut plus te sentir coupable, hein? La vie continue. Puis, tu vois, à cette heure, toi aussi, t'apportes un bon salaire. Tu travailles fort. On est passé à travers l'orage, Laurent. C'est pas sans difficulté, puis
C'est bien grâce à toi. Oh, j'ai fait ma part, bien sûr, mais il faut que tu te dises que toi, là, à l'heure qu'il est, tu pourrais être devenu un bon alcoolique ou bien on pourrait aussi bien être séparés. Tu t'es repris à temps, puis ça, ça demande de la volonté. Ah, à propos, tu sais que c'est à soir que Joseph vient souper? Hey, t'en fais pas, j'ai songé. Et t'as bien raison de penser à Joseph, hein? Parce qu'après tout ce qu'on a traversé, c'est lui qui nous a bien encouragés les derniers temps. Je sais pas, moi, on aurait dit qu'avant, j'étais trop orgueilleux pour avoir un vrai chum, là. Quelqu'un à qui on peut confier ses ennuis, ses faiblesses. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est pas mal bon d'avoir un ami. Bon. Et je vais m'en aller tout de suite à la cimenterie. Moi, je veux pas arriver trop tard. Faut que j'arrive avant les travailleurs, autrement, ça traîne en longueur. Mm. Et puis, t'en fais pas. Je vais revenir tôt pour le souper. Entrez. Pardon. La belle Jocelyne. Il y a une éternité que je vous ai vu. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci, madame. Et vous-même? Oh, moi, c'est toujours le travail par-dessus la tête, on n'en finit jamais. M'avez-vous renoncé au golf? On vous a pas vu à Miami cet hiver, mon père vous attendait. Mais non, justement. Ma femme voulait un soleil plus exotique, comme elle le dit si bien. Alors, on a passé un mois en Martinique en tête-à-tête. Ah. Je me suis jamais tant ennuyé de ma vie. Enfin, vous voyez ce que c'est, les vieux couples. Hein? Et l'an prochain, j'aurai ma leçon, quitte à partir seule pour la Floride. Mais vous-même, Jocelyne, qu'est-ce qui vous amène à Joliette? J'habite plus avec mes parents, M. Quentin. Je suis revenue pour de bon à Joliette depuis 2 semaines. Et vous avez tardé si longtemps à venir nous voir. Mais Jocelyne, il faut que vous passiez à la maison. Mais tenez, venez souper. Normand sera là. Normand habite toujours avec vous? Vous le connaissez, Jocelyne, il n'aime pas le travail. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre petit dernier, comme dit ma femme. Monsieur Quentin, j'ai quelque chose à vous demander. Un service. Allez-y, Jocelyne. Prenez pas cet air malheureux. Parlez. Monsieur Quentin, je me cherche du travail. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Vous cherchez du travail? Oui. Ah, je vois. Vous voulez combler vos loisirs. Oui, c'est la nouvelle marotte des femmes. Elles travaillent pour se désennuyer. Monsieur Quentin, je suis très sérieuse. Si je veux travailler, c'est parce que j'en ai besoin. Mais attendez, Jocelyne. Écoutez, je ne pouvais pas savoir. Quel genre de travail pensez-vous pouvoir faire? Je sais pas, moi. N'importe quoi. N'importe quoi? Ici, dans un bureau d'avocat? Enfin, vous tapez à la machine? Je connais pas la méthode officielle, mais je pourrais sûrement me débrouiller. J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Je sais pas, moi, je pourrais peut-être répondre au téléphone, recevoir vos clients. Avez-vous quelque expérience? Avez-vous déjà travaillé? M'interrogez, M. Quentin. Vous me connaissez depuis que je suis petite fille. Vous savez très bien que j'ai jamais travaillé de ma vie. J'avais pensé que vous auriez peut-être pu m'aider. Je veux absolument changer de vie et cesser de compter sur les autres. Votre père vous a-t-il coupé les vivres? Non, c'est moi qui ne veux plus. Pour l'instant, ma petite fille, je ne vois rien. Mon personnel est au complet. Et puis, avec la crise, il est bien difficile d'engager des surnuméraires. Ça va? J'ai compris. Mais voyons, Jocelyne, ne soyez pas agressive. Je vais y penser, puis j'ai des amis, je parlerai de vous. Au besoin, je vous assure que je ferai appel à vos services. Je vous remercie, M. Quentin. Je vous téléphonerai la semaine prochaine. Au revoir. Et alors, docteur? Et tout s'avère parfaitement normal. L'enfant est très bien placé pour son temps. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais quand même, docteur, tu sais, mon cœur. Ça devrait être la fin de ces ennuis-là. Justement, je vous prescris un médicament qui va vous aider à surmonter ces petits malaises. Annick se plaint également de pas très bien dormir, docteur. C'est vrai, Mme Jacquemin? Oui, je dors pas très profondément, puis je fais des drôles de rêves. En tout, vous prenez combien d'heures de sommeil par nuit? Ben, je me couche vers 10 heures, puis je me lève entre 6 et 7 heures. Tant que vous dormirez entre 8 et 9 heures, il n'y a pas de péril dans la demeure. Oui, mais docteur, je vous dis que je dors très mal. Ah, c'est vrai qu'elle a un sommeil agité dernièrement. Ce sont les petits malaises plutôt nerveux qu'autre chose. J'ai vu hier la formule sanguine, qui est excellente, les tests d'urine parfaits.
Croyez-moi, vous n'avez rien à craindre. Des fois, quand je me lève un peu vite, j'ai des crampes qui font très, très mal. Ah, ça, ce sont des choses qui arrivent également dans votre situation. Il s'agit simplement de vous y prendre plus lentement. Comme ça, il n'y a pas de danger que je perde le bébé? Comment ça, perdre le bébé? Il n'en est pas question, voyons. Eh bien, nous voulons rassurer, hein, Annick? Ben, je dois m'inventer des bobos. Je vais me sentir correct pour un bout de temps. Tenez, vous faites cette prescription et vous prendrez une petite pilule le matin avant de mettre le pied hors du lit. Ça devrait mettre fin à vos petits ennuis de mal de cœur. Merci bien, docteur. En passant dans la salle à côté, ma secrétaire va vous donner une carte pour votre prochain rendez-vous. D'ici là, essayez de ne pas trop penser à vos petites misères, qui seront vite oubliées quand vous aurez votre bébé dans vos bras. Et j'ai assez hâte. Je le croirai seulement quand il sera là. Oh là là! Ça a été toute une température, hein? Il a fait tellement chaud. C'était vraiment pas une journée pour faire un cocktail. Heureusement que ça n'a pas duré trop tard. J'avais assez hâte de me jeter dans la piscine. T'étais pas forcée d'y aller à ton cocktail? Pour une fois, Robert m'avait demandé. C'est lui qui présidait aujourd'hui. Dans le temps, c'est moi qui voyais tout ça. Il me doit beaucoup plus qu'il croit, mon cher Marie. Maintenant, ça vaut plus la peine que je fasse un effort. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. J'ai autre chose à faire que de serrer la main des gens plus ou moins intéressants. J'ai trouvé que ton Robert n'était pas en train. C'est tout juste s'il m'a adressé la parole. T'en fais pas pour si peu. Il passe une crise en ce moment. Sans doute une de ses nouvelles maîtresses est trop exigeante. Comme tu dis ça. Maintenant, je m'en fous. Je fais comme lui de mon côté. Chacun a sa vie. Oh, comme ça, dans les cocktails, on joue à être mari et femme, mais ni lui ni moi, on a envie d'y croire. C'est très bien comme ça. Maman, est-ce que je peux aller jouer avec les labrés? Bien sûr, ma chérie. Mélanie, tu peux pas partir comme ça. Regarde, tu t'es toute salie. Demande à Madame Lemay de te mettre la nouvelle robe que je t'ai achetée l'autre jour. Oui, maman. Oublie pas de rentrer pour le souper. Bien, maman. À tout à l'heure, Mélanie. Elle est donc mignonne, ta fille. Elle est tellement sage. C'est pas possible que toi et moi, on ait des enfants de cet âge-là. Moi, Anouk a déjà 12 ans. Oh, faut en profiter. À ces âges-là, les enfants sont encore agréables. Ça sera pas long avant qu'ils nous en fassent voir de toutes les couleurs. Mais, parle-moi donc, Quentin. Ah, t'as trouvé du travail? Penses-tu? Un des meilleurs amis de ma famille, soi-disant. Les belles paroles, tout ça. Il avait même pas l'air de croire que j'avais besoin de travailler. Ça, ça m'étonne pas. Allons, tu fais pas de soucis. Tu vas voir, tout va s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. Je te dis que des fois, je sais vraiment pas ce qui m'attend. C'est bien beau de claquer les portes du côté de mes parents, mais s'il faut que ça aille pas mieux que ça ici à Joliette. Quand même. Pour l'instant, il n'y a rien qui presse. Ton mari pourvoit tes besoins et tu viens de te trouver un appartement et tu es en train de le meubler. Tu peux pas tout faire à la fois. Ouais, t'as un peu raison. J'ai tort de me plaindre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas l'habitude. Je voudrais que tout soit réglé en un jour. Naturellement, comme tous les enfants gâtés. Ton mari prend soin de toi. T'as même son auto. J'ai envie de plonger. Un petit peu d'eau froide, ça va me faire du bien. Attends, avant, on règle notre soirée. On va au théâtre et ensuite au restaurant. Aimes-tu mieux qu'on aille à Montréal? Écoute, ça me gêne un peu. Je t'invite. Tu me rendras ça plus tard. Il y a une bonne troupe à la salle du collège et j'ai un nouveau petit restaurant à te faire connaître. OK, d'abord. Je vais me laisser faire encore une fois. Bon, quelques brasses et ensuite on rentre se faire un bain de toilette. Tiens, fais-moi penser de te montrer la jolie petite robe que je me suis achetée ce matin. Ah oui? C'est bon.
sœur. Allô, Joseph. Tu ferais mieux de dire la petite mère. OK, la petite mère. Comment ça va, ma petite fille? Allô, maman. T'es pas caisse populaire? Un vendredi? Non, j'ai pris mon congé parce que j'avais mon rendez-vous avec le docteur Lemieux aujourd'hui. Mmh. Après, j'ai eu envie de venir vous voir. Hier, c'est bien calme. Où sont tous les enfants? Ah, ils sont tous chez Elisabeth. Elle est en train d'installer un carré de sable avec Pépère. Un carré de sable pour le petit Jean-François. Ça doit être le fun. J'irai voir ça tout à l'heure. Je suis contente de vous trouver toute seule. Je vais pouvoir parler un peu avec vous. Viens de se faire dans le balançoir. Comment ça va? Ta santé est bonne? T'es correct? La grossesse. Le docteur a eu l'air de dire que ça allait pas trop mal. Comment ça, il a eu l'air? Il était pas trop sûr? Oui, il était sûr. Comme ça, c'est toi qui es pas trop sûr. Il me semble que des fois, je me sens pas très, très bien. En as-tu parlé au docteur? J'en ai parlé, mais il m'a dit que tout était parfait. Ben alors? On dirait que j'ai peur de quelque chose. Peur? Peur de quoi? Regarde-moi donc, toi. Pourtant, tu le voulais tellement, ce petit bébé-là. Mais justement, peut-être que c'est ça, je le veux trop, cet enfant-là. Il me semble que je me rendrai pas jusqu'au bout, que je le verrai jamais. Tous ces mois-là, à attendre, il peut arriver tellement de choses. Oh, là, une façon de parler. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je sais pas, des accidents, des choses qu'on prévoit pas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Hey, je te regarde, parce que je trouve donc que t'es une drôle de petite fille. Des fois, t'es difficile à comprendre. Écoute, là, t'es au début de ta grossesse. Oui, faut que tu t'inquiètes. C'est pas beau, ça. Faut que tu sois calme, confiant pour le fabriquer, ce petit bébé-là. Si tu le portes dans la joie, ce petit-là, là, il va nous arriver comme un beau petit Jésus. À Noël? À Noël, ça, c'est certain. Vous le pensez pour vrai? Mais certain que je le pense. Pas toi? Oui, je le pense. Oh, j'ai bien fait de venir vous parler. Vous, au moins, vous avez de l'expérience. Mais vous avez jamais eu peur, les 8 fois. Peur? Pourquoi j'aurais eu peur? C'est une chose normale. C'est la vie, ça. Tu vois, là, ma maman, elle a accouché 11 fois. Puis les 11 fois, chez nous, dans la maison. Puis la nuit, à part de ça. On se couchait le soir et puis le lendemain, on était un de plus. C'est drôle, hein? Maman puis moi, on a toujours accouché dans la nuit. Ah! Oh. Peut-être parce que c'était une commodité. Hmm? Ben oui, pour pas déranger l'ouvrage dans le jour. Tiens, je vais te montrer la petite couverte de laine que j'ai faite pour ton petit bébé. Hein? Ouais, regarde-y la laiterie, ça. Ça a l'air de deux belles fesses. Et puis, y a-tu mes yeux, lui? Mais ça, là, ça, c'est ma femme qui m'a rapporté ça de Joliette. Ah, oui. Un jour que t'as allé acheter un dictionnaire, Nathalie. Oh, ben t'es bonne, toi, ma soeur. Mais figure-toi donc que je tombe sur ce petit livre-là qui est en vrac parmi tant d'autres, là, sur une table, tout en vente à la librairie. Ça, c'est dans le temps où Laurent n'avait pas trop de sourire, tu sais. Ben, tu me croiras si tu veux.
Quand j'ai donné ça, là, le soir après que les enfants étaient couchés, monsieur, il a commencé par faire son scandalisé. Es-tu fou? J'avais pas tellement le sens de l'humour à ce moment-là. Comme ça, t'as été scandalisé au premier coup. Oh, mais crains pas, hein, ça a pas été bien long. 5 minutes après, il riait pour la première fois depuis des mois. Regarde bien ça, Joseph. T'es rendu ici, là, à cette belle paire de face rose-là que moi, j'ai lâché. Là-dessus, moi, j'ai éclaté de rire. Hé, les femmes, hein? Et puis après ma séance de lecture, ben, je sais pas, mais j'avais retrouvé un certain goût de vivre, si tu vois ce que je veux dire. Fait qu'après ça, nous autres, il n'y avait rien qu'à discuter. C'est ça. C'est donc bon de vous voir, toi, et Lynn. Je donnerais bien de quoi pour le retrouver, mon goût de vivre, moi aussi. On t'en parle pas trop, le Joseph, mais... Qu'est-ce qui se passe, donc, avec Jocelyne, qui est revenue par ici? Crois-tu que vous pourriez reprendre ensemble? Non. Non, je le pense pas. Mais faut surtout pas que je me fasse d'illusions. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait à Barichette, d'abord? À quitter ses parents pour faire une vie indépendante à Joliette. Comme ça, elle est installée ici pour le vrai? C'est-tu elle qui va prendre les 2 enfants? Puis toi, là-dedans? On va se partager les enfants. Puis moi, pour l'instant, ben, je suis utile. Et ce que vous voulez, elle n'oserait pas demander à d'autres ce qu'elle me demande. Enfin. Il y a 3 jours, elle a loué un appartement, puis là, elle commence à le meubler. Mais qui s'occupe pour ça? Ben, c'est moi. Mais ça, c'est normal. C'est la mère de mes enfants, tout de même. Ben, quand même. Quand t'es partie l'année passée, elle a bien vendu votre maison puis les meubles à son profit. Ah. Ben, une pension, je comprends, mais tu trouves pas qu'elle exagère un peu? Pis toi, là-dedans? Non, faut pas juger pour l'instant. Alors, crois pas que je sois bonasse, Berthe. C'est surtout que je veux rien avoir à me reprocher. Je sais pas exactement pourquoi elle est revenue. Alors, je veux pas un jour être accusé de pas avoir tout fait pour sauver notre foyer. Mais j'irai pas pour ça plus loin qu'un point X. Mais, as-tu un espoir? C'est seulement qu'elle est plus sous l'influence de ses parents. C'est déjà ça.